Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Avant toute chose, je souhaite que tu t'abonnes à la chaîne afin d'avoir l'accès à tout le contenu de la chaîne en exclusivité, ainsi de cocher la case dans la cloche pour être averti. Et on commence. Je vous ai promis un unboxing sur Twitter et Facebook. Alors le voilà enfin, le fameux unboxing d'une alimentation fantôme qui permet de faire fonctionner un microphone à condensateur. L'alimentation peut être fournie par un conducteur spécial relié à un boîtier d'interface qui assure aussi l'adaptation d'impédance. Cependant, ce n'est le cas que pour des microphones de très haute gamme. La plupart des modèles commerciaux utilisent une alimentation fantôme de 48 volts, tel que celui que j'ai acheté récemment, autrement dit le BM800, que vous trouverez dans les vidéos précédentes où j'ai fait un unboxing de ce produit. Plusieurs personnes achètent des microphones et pensent qu'ils ne fonctionnent pas car le microphone est un microphone à condensateur. Sans alimentation fantôme, ce dernier va fonctionner, mais avec des bruits et des grésillements. Je vous ferai le test afin que vous puissiez comprendre la différence. Mais avant toute chose, où acheter l'alimentation fantôme? Vous pouvez le trouver sur le site eBay pour un prix de 25 euros par exemple. Il y a plusieurs modèles, à vous de choisir celui qui vous convient. Pour l'instant, j'utilise toujours mon ancien microphone que j'utilise presque depuis le début de ma chaîne YouTube et on va tester à présent le microphone sans alimentation fantôme. Afin que vous puissiez voir la différence entre le microphone sans alimentation et avec une alimentation par la suite. Alors, voici le test sans alimentation fantôme. J'espère que vous remarquez que la qualité n'est pas au point. Je suis en train de crier pour que vous puissiez m'entendre. Et voici le résultat avec l'alimentation fantôme. Je pense que vous remarquez que la qualité est meilleure. Et j'espère qu'avec cela, vous pourrez acheter votre microphone en se basant sur ces informations. Alors, que pensez-vous de tout cela? J'attends votre retour en bas du commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous.